bien, salut tout le monde, on est là pour la finale. Salut à tous. Avec Kevin, avec qui? Et Laurent. Ouais. Il est au poste. Ouais, et nous sommes le vendredi round 6, c'est 2013, le grand final. Sur Suzuka avec la McLaren. Voilà, voilà. Alors, on a dû rejoindre, on a dû fusionner les deux salons. Parce qu'il y avait beaucoup trop d'absents dans les deux salons. On nous demande si Celso est connecté. Laurent. Est-ce que Celso est connecté? Ah, Celso est là? Celso. Ah non, Celso est là, pardon. Celso est là, c'est Clio Touriste qui n'est pas là. Clio Touriste qui n'est pas là. Et Arompi qui essaie de rejoindre le salon un peu en vain depuis quelques minutes. Il a rebotté sa box, ça devrait marcher. Bah, je l'ai vu essayer de rejoindre. Je sais pas où il en est. Ça y est, c'est bon, il est chez nous. Okay. Les qualifications ont commencé, il me semble. Il y a tout 3 juste minutes. Voilà. Là, ils sont les pilotes sont dans leur premier tour chrono. Donc, avec ces Ice hein, qui s'est lancé le premier. Qui est un favori ce soir, hein, sans problème. On voit déjà que rien que dans les deux premiers secteurs, mais une bonne pilule à Oli, un autre pilote GT Pro. Donc, premier tour qualif en 1.57. 1.57.1 pour Ice. 1.58.5 pour Oli, c'est bien, c'est nettement derrière. Est-ce qu'il y a moyen que tu remettes un peu de son du jeu, Laurent? Le son est à fond. Ah. Le son est au taquet. Vous baissez Nana qui peut-être? Ah bah après, je peux baisser. Ouais, je peux. Voilà. De quoi? Pourquoi? Non, c'est qu'en fait, on parle trop fort par rapport au son. Ah, par rapport au son du jeu. Voilà. Très bien. Le troisième GT Pro Luffy qui a fait un tour en 2.02, 2.08 pour Bika, pas de troisième provisoire en 1.59.5, 1.59.6 pour le BTH Moti. Il y a un gros gap hein, pour l'instant entre Ice et le reste. Je pense que Celso va faire un beau temps. Hein. Un beau temps aussi également, Bika normalement également. 58.6. Et comment s'appelle ce pilote? Repolo? Ça va être compliqué, oui. C'est R3P0, LO. Non, mais ça peut être le 3, le 3. Oui, ça fait Repolo. Tient place de E, je pense. Ça fait je pense aussi. On va l'appeler comme ça. Un nouveau des GTOR. On a des Portugais. Repolo, d'accord. Donc on a deux Portugais ce soir avec nous. Bika de la team. De la team quoi d'ailleurs? Bika BTH. BTH, ouais. C'est un GTF. Ouais, parce que le son, il est tagué GTF. Voilà, c'est une autre équipe hongroise qui roule. Enfin, il y a quelques de leurs pilotes qui roulent avec les BTH pour GT Fusion. C'est pas. Bon, c'est des Hongrois. Hein, c'est normal. On n'a rien contre ça. D'ailleurs, il y a. C'est quel GTF qui est très très vite Stig, voilà, c'est ça. Très très rapide. Alors, pour ces personnes-là, ce soir, au général, l'important, c'est pour Moti et Celso. 15e, 16e, pour l'instant, en général. Alors que Luffy s'est intercalé entre Ice et Oli, on a les 3 GT Pro là, on a une belle triplette de GT Pro qui trustent les 3 premières places de qualification pour l'instant. Mm-hmm. Ah, on a quelqu'un qui a quitté la piste, c'est Gus Pat, non c'est bon. Gus Pat qui revient, voilà. 11 pilotes sont en piste. Pour l'instant, moi je suis un peu... J'attends de voir Celso, je suis un peu déçu par les temps de Celso là. On va voir. Ça va être un combo où il y aura beaucoup de différences. Il y aura énormément de différences. Faut pas s'attendre à des combos comme tout le reste de la saison à 2-3 dixièmes sur les qualifs. On risque d'avoir, surtout en plus ce soir, vendredi, donc
y a pas, les groupes sont pas faits en fonction des niveaux, Oui, forcément. le niveau est Le disparate. niveau est complètement disparate et on risque de voir plutôt des secondes de différence que des dixièmes de différence sur ce combo, qui est Après, très tu vois, très difficile. Luffy, Holly et Celso se tiennent en Ouais, dixièmes. après, voilà, ça va être ça, c'est sympa. Après, il va y avoir des groupes de niveau, plutôt. C'est plutôt des Voilà, groupes ça va de être plus niveau. ça, oui, voilà. Mais Ice a l'air au-dessus du lot. Mais je suis un peu déçu quand je vois les partiels de Celso. Ah, Parce déjà dans que le premier, ouais, c'est Celso, compliqué. bon, Celso qu'on a l'habitude de voir régulièrement dans le groupe A, qui a failli gagner une course sur la manche 5 Oui, et exactement. qui a bien figuré. Inversement, c'est vrai que on a vu des super chronos, les mecs sortir en 1,55 et tout. Le problème, c'est que 1,55, c'est trop fort pour économiser les gommes pour aller au Les bout. pneus, bien sûr. Ah, bien sûr, après il y a la qualif et la course, c'est quelque chose de complètement différent. Alors que Ice a encore amélioré son chrono. Hein. Il est tombé sous les 57. 1,56 870 pour Ice. La team GT Pro, quand même, bien, bien, bien représentée là. A rompu, cinquième, joli. Joli, ouais, très très beau. Ah, il y a un beau groupe assez serré en 58 et demi là à peu près. Hein. Ça, c'est bien. C'est bien en perspective C'est de bien en la course. perspective pour la soirée, oui. Pour l'instant, c'est Pounous, Bika qui ont l'air un peu en difficulté là. Bika, ça m'étonne. Et encore, hein, je dis en difficulté, mais bon, on a pu voir parfois sur les groupes du vendredi, parfois des écarts Bien plus important. encore plus importants. Hein. Il faut rappeler que Suzuka, c'est au-delà de la difficulté du circuit. Non seulement c'est un circuit difficile à maîtriser, mais en plus c'est un circuit long. Hein. On a un tour en 2 minutes, donc il y a tout de suite plus de. En gardant les mêmes proportions d'écart, et tout de suite, ça fait tout de suite un paquet de secondes. Hein. C'est logique. Et surtout avec le combo setup à 580 pp, il y a eu beaucoup de monde qui ont eu du mal à régler la voiture, qui a demandé à droite à gauche des conseils. C'est Bon, vrai que chacun a fait en fonction de son niveau, de son niveau d'usure, ce qu'il a envie d'économiser ou pas, la baseline sur la voiture est absolument atroce. Ouais. Après, le setup fusée peut faire l'affaire. Ça peut marcher, mais on a vu que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ouais, Oli C'est qui vient de pas passer l'idéal. devant Luffy. Ouais, en 57,9. 57,9. Ça améliore un petit peu tous les sens. Guspat n'a pas encore de tour chrono. Alors ça Il va. est en train, il est en train. Ouais, ça va aller chercher. Je pense que Guspat va remonter là dans la hiérarchie. C'est plus pas de 0,2, hein, c'est Il va. celui qui frangin. Sauf qu'il vient de tirer tout droit la chicane. Hein. Ah, Ah, c'est dommage. voilà. Ah ouais, d'ailleurs il vient Bon de. exploit. Et il vient de couper son effort. Il va plus lui rester beaucoup de temps pour faire un tour Il chrono. reste 3 minutes. Ouais, bah. On laisse les pilotes finir leur. Ah non, c'est déclenchement automatique de C'est la course. automatique, donc. Ah ouais, donc voilà, il y a de. Il y a des pilotes un peu en travers. À la fin du circuit. Voilà, je sais pas qui c'est là devant. Je sais pas qui est devant Celso là, mais sur la piste. Ah, c'était peut-être Repolo. Ouais, Repolo, ouais. Ouais, qui était un peu en travers un peu partout. Ah, ça y est, j'ai GT5 qui bug et qui m'affiche des couleurs Ah oui, parce que complètement débiles. on a eu un changement de position. Ah, Alors, je confirme hein, sur le Twitch, hein, c'est un truc de daltonien. Hein. oui, Par nous c'est contre, pareil. il suffit de revenir en plein écran et revenir en synchronisation directe pour remettre les bonnes couleurs. Hein. Oui, ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, bien. Ah, Ouais. ils sont toujours en tête. Hein. Ah bah Guspat qui va Guspat 02 Ça va être juste, hein. qui va peut-être passer qui va peut-être parce que là je sais même pas si c'est son tour c'est le début de son tour Ah non, chrono il là. sort Non, du non. pit là. Il sort du pit là. Il sort Ah du pit. bah ouais, ça va être un peu compliqué là. Alors plus pilote de la team quelle team plus GTNF. GTNF. Et là, il file. Alors ça va être intéressant de voir un petit peu les. Alors, Ponus chez GTNF, c'est un des plus faibles. Voilà. D'accord.
Ouais, parce que c'est vrai que le premier GTNF Mais qui m'a été donné de commenter, c'est Phoenix sur les courses qui sont diffusées sur Game One Music HD puis sur YouTube. Et c'est vrai que Phoenix, c'est une énorme brutasse, donc là, je suis en... Ah, la légende. Ah, et je l'ai dit et je le redis dans les courses commentaires. Hein. Ah bah, c'est clair que sur le hot lap, on a monté une grosse légende. Hein. Non, et puis ouais, et puis je pense que voilà, bon. il est déjà arrivé, il a déjà sa réputation le précédait déjà. Néanmoins, ce qu'il a était pas loin. Ah, ce qu'il a, ouais, mais ah, c'est, oui, il était pas loin, mais je veux dire, c'est le leader du championnat et du GT Fusion qui se prend 3e en qualif par quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, ça va donner l'année prochaine. Ah, ouais, bien sûr. En plus, GT6 avec son nouveau moteur physique va un peu redistribuer les cartes. Ouais. Les exploits de bugs, les sets abusés, tout ça, ça va passer à la trappe. Il va falloir bosser pour de vrai. Rien ne nous dit qu'il n'y aura pas de nouveaux bugs et de nouveaux. Ah bah, voilà. Je connais pas un moteur physique qui a passé bug. Il y a les joies de Iracing, Air Factor et tout. Ouais. Ah, c'est le même combat. Hein. Il y a toujours des failles à exploiter. Le tout, c'est de les connaître et de surveiller ça de près. Quoi. On a quand même vu un suivi de la part de Polyphony. Oui. Ils ont essayé de bricoler, enfin c'était du bricolage, mais ils suivaient un peu. Guspat qui aura pas le temps de faire un tour. Non, c'était un tour de sortie des stands, ça. Hein. Bah, ceci dit. Oui, mais il lance, tant que le chrono n'est pas lancé, il aura encore les 35 secondes. Si à la fin de la cuisse, ça va passer. Je sais pas à quelle heure a été lancé le. Là, allez, on va dire, il doit rester une minute. Parce que ça va être tout juste. Hein. S'il arrive à finir la course, il tape la peau là. Parce que techniquement là, il va être 15 minutes au chrono du temps de lancement du salon. Quand est-ce à quelle heure a été mis le lancement automatique? Oh, 30 secondes après, quelque chose comme ça. Ouais, ça va être juste. Ah bah voilà, il est sorti. Ouais, il a posé dans le gravier. Ça sent le manque de préparation. Oh là là, et regardez les partiels de Ice, hein, 51.9 dans le premier partiel, ça va vite. Hein. Ouais. Il y a Celto qui est en 52.3, oui, mais voilà, il va peut-être réaliser un petit chrono. Ouais, mais il aura pas le temps. Ah, c'est pas encore lancé, donc il va peut-être avoir le temps. Juste pas t'es reparti au pit. Parce que là, il est. Il n'arrive pas à aligner deux tours d'affilée sans se tuer. Ice, bon bah il est. Ice a posé, voilà. Alors, effectivement, c'est le saut d'avoir le temps de finir son tour. Ah, bah c'est le saut dans le rêve. Ah, ouais, c'est le saut dans le mur. Bon bah. Et lancement, ouais, c'est con, c'est dommage, il avait le temps. Oui, surtout qu'il s'est mis dans le mur à un endroit un peu improbable. Ouais, c'est. En plein milieu de la ligne droite avant le 130R. Juste devant le Dunlop, ah, c'est bien, ouais. Il bosse pour. Bizarre. Ça, il a voulu montrer un peu les sponsors. Bon, voilà. Ice, en pôle, bon, pas de problème. Bon, bah, 3 GT Pro, hein, aux 3 premières places. J'espère que les GT OR vont nous. Bah, c'est dommage que le GT Pro roule pas entre guillemets le samedi, ouais. J'aurais pris des points. Arompi, hein. Arompi et GTKB. GTKB, c'est toujours GT. Oui. Et Arompi Momias, Argentin. Qui est une team argentine. D'accord, très bien. Et on va avoir la course. C'est parti. Alors. GT Pro, Celso en embuscade derrière, avec une caméra qui est pas dégueulasse pour le départ, pour une fois. On voit bien ce qui se passe devant. Ah, et ce qui concerne la tête, Celso qui essaie de se décaler sur Luffy, hein, dès la première ligne droite. Celso qui va être bien à l'intérieur ici, mais Luffy qui referme. GTKB en 4e position, en 5e position. Entre GTKB et Arompi, c'est ouais, Arompi qui passe. C'est bon, on a gardé GTKB. Ouais. Pilote argentin qui prend la 5e place, Moti 7e, Repolo 8, Pika 9 et Poulous 10e. Bon, il n'y a pas eu de drame sur ce départ. Ice est déjà en train d'attaquer très fort. Hein. Par contre, derrière, c'est très très serré avec Oli, Luffy, Celso. Et Arompi, il y a toujours là. Hein. Ouais. Mmh. Alors, de toute façon, il va falloir. On verra déjà, on en verra un peu plus clair à la fin du premier tour.
Ah, est-ce qu'il prend une petite avance là? Ouais. Alors faut voir si Oli peut conserver l'aspiration, mais ça a l'air d'être vraiment parti sur des bases très très rapides. Derrière, ça reste serré. Il y a une passe d'armes là derrière entre Motti et Repolo. Repolo, le pilote GTOR. Repolo, oh, ça défend, mais ça roule dans le sable ici. C'est GTKB qui a mis un. Oh, oh là là. Oh, sur spoon là, c'est chaud entre GTKB et Repolo. Oh là là, il y a un rond qui était dans le sable tout seul. J'espère. Du coup, c'est. Repolo 5ème, GTKB 6, Moti 7, BK 8. C'est serré hein, c'est ça, ce bagarre sévèrement là. Il y a une vraie cassure là entre les 4 premiers et la suite. Inversement, Arumpi est revenu, il est là, il est sur Pounous. Hein. Donc vu son niveau, il peut remonter. Ouais. Et alors les 3 en tête de course, il y a les 3 GT Pro avec un intrus, c'est Celso qui est pas loin de Luffy. Repolo est 5ème. On peut voir qu'il y a des setups différents, hein. Il y en a qui n'ont pas l'aileron, il y en a qui ont l'aileron. C'est sympa, il y a plusieurs réglages différents. Voilà, et Pounous qui s'est mis dehors hein, sur le premier virage. Attention avec Arompi, c'était chaud. Arompi qui on va regarder les partiels, mais Arompi je pense qu'il peut revenir hein, sur le peloton, puisqu'il était. Il avait pas un mauvais rythme. Il s'est mis dehors malheureusement. Et Ice taillé. Hein. Ice il a creusé son matelas. Par contre, Celso est encore assez proche de Luffy et Oli. On peut voir que dans le groupe Repolo GTKV, c'est BT avec Moti, Bika, c'est très serré. Hein, ouais. Ouais, alors bien sûr, il y a toujours les caméras qui précèdent l'épingle, on voit rien, ça c'est dommage. Oui. Ouais. GTKB, là on a Repolo GTKB Moti, un GTER devant un pur GT et deux BTH. Pour les 3 GT Pro devant, sans faute, c'est bon pour eux. Celso toujours là. Après bien sûr, comment dire, Luffy est protégé par l'aspiration de Oli, mais par contre, Oli est protégé par personne puisque Ice maintenant est loin devant. Enfin, loin devant. Bah, il est plus dans la spi, je pense. Mais tant qu'il n'y a pas de. Comment dire. Si Oli et Luffy ne s'attaquent pas, Celso va vraiment avoir du mal à doubler un des deux. Ceci dit, Celso, c'est un très très bon pilote. Hein. Il est capable de dépasser. Voilà, puis faire des super manœuvres. Hein. Ouais, par contre, tu vois, là, il a pris un petit vent. Un petit courant d'air là sur le dernier partiel, ce qui fait qu'il est encore dans la spi, mais il peut certainement pas attaquer ici. Pour bien faire, il faudrait que Celso soit vraiment ressorte dans les échappements de Luffy. Et encore, hein, comme Luffy est dans la spi de Oli, c'est compliqué. Repolo par contre emmène derrière lui toujours GTKB, Moti et Bika. Ça c'est bien, il y a une belle course en paquet pour la 5ème place là. Et on nous confirme de la part de Kefran que chez Team GT Pro, il y a les mêmes setups, même si les ailerons sont un peu différents, les setups sont identiques. Ouais, faut croire que c'est un bon setup. Bon après, c'est voilà, un bon entraînement aussi, hein, évidemment. Oui, je pense. Hein. Un bon entraînement. Ça va de soi sur ce combo. Ouais. Les GT Pro bossent leur combo. Ah, ça y est, attaque Oli. Ouais, Oli qui a fait une petite erreur à la sortie ici, j'ai l'impression, et du coup... on a vu, il a touché le sable. Qui prend la seconde place, c'est Celso qui va peut-être essayer de profiter de la petite fébrilité là, temporaire de Oli pour attaquer. Mais Oli a l'air un chouïa plus rapide que Luffy ici. Hein. Ouais, parce qu'on sent qu'il klaxonne, mais. Ouais. Attention, bah, son image. Oli n'a pas d'aileron, donc au niveau des PP, il a plus de chevaux. Si, il l'a, mais le petit. Il a le petit aileron. Ah, il a le petit aileron. Mais il l'a, l'aileron. Ouais. Okay, le petit aileron qui fait que ça se lève quand. Voilà, il double, ouais. Il double Luffy. Mais ça, c'est un aileron qui joue pas en plus par rapport au fait de pouvoir ajouter un aileron dans le. Si, c'est l'aileron qui a ajouté et qui crée de l'appui.
Voilà, c'est l'aileron ajouté. Ouais, on peut choisir deux ailerons. On peut choisir deux ailerons. Et cet aileron-là permet encore. Ouais, voilà. Et l'aileron mobile, c'est une pièce détachée. C'est sur la McLaren d'emblée. La McLaren de base a lié. Là, il a rajouté un aileron qui est tout petit et qui permet encore de faire l'aileron mobile. D'accord. Oh. C'est spécifique. Il y a peut-être que la MP4 du C où il y a ça. Bon, c'est tendu hein, entre Oli, Luffy et Celso. Pendant ce temps-là, Ice se promène. Hein. On est dans le 4ème tour sur 5 tours. Et inversement, derrière, bah, pareil, Red Polo, GTKB et Moti. Mais on sent que là, GTKB est en train de Red Polo qui a de plus en plus de mal à contenir. Il en dérive dans tous les S. Là. C'est ouais. Et attention. Si aussi. Au niveau des pneus, c'est une course courte, mais bon, il y a quand même une belle. Sur le dernier tour, il va y avoir des pneus bien entamés. Là, je fais un saut, on va voir Ice, ok, normal. Oli, un peu plus usé pour Oli. Et Celso a tapé. Oh, attention! Ici, Oli, pas cassable, et Celso qui prend la troisième place et qui a failli profiter de petit coup de volant de Luffy que Luffy a fait pour éviter son coéquipier de prendre la seconde place. Au même endroit que tout à l'heure. Ouais. Et sauf que tout à l'heure, c'était Luffy. Je crois qu'il avait fait l'erreur. C'était Oli. Bah, du coup, c'est dommage parce que double erreur qui coûte le podium à Oli. Et le souci, c'est que Oli se retrouve tout seul. Inversement, il y a Repolo, GTKB et Moti qui remontent comme des balles. Après, ce qui remonte comme des balles, quand tu regardes les temps au partiel. Bah, donc, il n'a plus d'aspiration, Oli, là. Ouais, il a plus d'aspi, mais c'était peut-être celui des trois qui avait le plus gros rythme hein, entre Luffy, Celso et Oli. Ouais. Je pense que c'est Oli qui roulait le plus vite. C'est ses erreurs hein, qui lui ont coûté. Regarde là au partiel, il roule en 42,9. Hein. Ah non, 44,7. Il a bouffé du pneu. Mais bon, regarde, pour l'instant, les trois ont quand même roulé en. Ça roule en 59 derrière. Hein. 59,0 quoi. Oui, ils ont des meilleurs pneus. Il reste un tour à passer. Les polos, Oli. Polo, il a bouffé par contre. Hein. Ouais, non, mais si Olivre fait pas d'erreur, je pense que ça devrait tenir quand même. Même si Repolo, peut-être à la frontière de l'aspiration. Celso et Luffy, là, ça va être tendu pour la seconde place. Oh, GTKB dans le sable. Il a de la chance qu'il y ait un dégagement ici. Ouais. Hein, comme, c'était que du sable comme à l'ancienne. GTKB qui fait un peu n'importe quoi là. Ah, c'est dur en ressortant du sable. Ouais, et Pika qui. Oh là là. GTKB à moitié des pneus, ouais. Ah là, ça y est, les pneus ont dû être nettoyés maintenant. Ah, le freinage. Je reste sur Celso. Celso qui est en embuscade. Celso, il pouvait peut-être pouvoir trouver l'ouverture sur Luffy. Il est capable. Ouais, il peut. Par contre, Luffy est un peu mieux sur les pneus avant par rapport à Celso. Ouais. Pour négocier à la chicane, ce sera plus facile. Hein. Ah ouais, carrément. Ice, par contre, c'est bon, hein, la promenade, hein, il a mis un mur à tout le monde, c'est fait. Repolo, par contre, les pneus ils sont bouffés, mais comme il faut. Ouais, mais derrière Moti a des meilleurs pneus, mais bon, il reste ces 4 virages, ça va être un peu compliqué là. À moins d'une erreur de Repolo. Ce qui pourrait arriver hein, avec des pneus usés au 130R. Est-ce que Celso va pouvoir le faire, c'est pas dit. Il est moins bien niveau pneu, Celso. Ouais, mais il est pas loin. À la chicane. Luffy a plus de chicane à l'intérieur. Et on a une caméra pourrie, tu meurs. Allez. Bien protégé. Réaccélération. C'est Luffy sera dedans. Victoire de Ice. Bravo. Derrière ça se maintient pour Repolo qui finit 5ème, Oli 4ème. Alors Rompi n'aura pas réussi à remonter finalement. Hein. Non. Super de course. Ouais, c'était sympa. Sympa hein. Ouais. On nous rapporte d'énormes problèmes de likes sur le Twitch. Pas chez moi. Pas chez moi non plus. Chap qui nous dit le Twitch n'arrête pas de couper pour ce qu'il a autrui c'est moi. Kefran qui Kefran qui dit qu'il a pas de problème, je sais pas. F5 refresh les gars.
Je sais pas, enfin moi là je... Ouais, mais s'ils sont sur Free, c'est comme chez moi, hein. Moi je suis sur Free, je peux pas voir le Twitch. Hein. Et vous êtes chez Free, les mecs, vous posez pas de questions, hein, c'est Free. Alors, je sais pas si... De toute façon, je pense que pour 2014, Twitch, on va laisser tomber. Ouais, je sais pas. Oui, je fais la petite coupure, YouTube. Ah ok, tu fais une coupure. Ouais, je fais une petite coupure. Ah, mais ça se verra pas de toute façon. Hop.